maudit sur trois générations le gars qui dans son blog a dit que c'était plat. Prendre un petit déjeuner avec la brioche locale qui était pas mauvaise. Allez, en route. Bon, alors là, on démarre. Oui, on abandonne le camping-car pour visiter la Slovénie et on va partir à vélo. La Slovénie La côte slovène. Ah, la côte slovène. Parce qu'en camping-car, c'est pas facile de se garer et donc on prend les vélos. Je déteste faire du vélo, mais là, ça a l'air sympa. Ça s'appelle la Parenzana et c'est tout un circuit de pistes cyclables qui devrait nous emmener jusqu'à Pirane. Et ça fait au moins 10 km, 15 km pour y aller et après, il faut revenir. Oui, mais entre les deux, on va faire un petit resto quand même. Oui. Resto, café, glacier, il y a tout. Glacier, là, on va éviter. On aura chaud. Ah oui, on aura chaud. Ouais, pour l'instant, on part convoyer assez chaudement. Parce que ça caille, on fait combien? 6-7 degrés là? Je sais pas, 7. 7 degrés. Bon, allez au soleil. 10, 10. Ah, 10 dans le camion. Hein. Non, dehors. Ah, dehors. Bon. Eh ben allez, en route. À tout de suite. Si les pneus éclatent pas, parce que vu l'état, faut dire qu'on les a pas utilisés depuis longtemps. Bon alors, tu montes sur ce vélo, oui. Tu sais même pas où tu vas en fait. Ah, et ben voilà, on est parti et on est déjà au bord de l'eau parce que le parking où on est au bord de l'eau. Sauf qu'il ne fallait pas aller en direction de la mer. Ça commence bien. Pas le point de départ, mais peut-être qu'avec MapsMe. Alors le camping-car n'est pas bien loin. On a fait le tour par la mer et là. Bah, en fait, on est remonté parce que on croyait que c'était par le bord de mer. Maintenant, il va falloir passer au travers. Là, on a un parcours qui se fait en montée et descente à mon avis. Ouais. Dans le descriptif, c'est marqué qu'il n'y a que deux montées, pas trop dures. Bon, alors le trajet il est là. Nous, ce qu'on va, c'est on a déjà repéré un restaurant cuisine régionale. Bon, ben, très vite. Donc, comme on n'est pas sur la piste cyclable, qu'on espérait, et que ça monte vraiment beaucoup, on n'en peut plus déjà. Ouais, tunnel. Là, ça descend, c'est super. On est dans un petit chemin qui est censé être plat. Alors, ça va, on descend. Mais quand il faudra remonter ça tout à l'heure? Passage dans les vignes. Deuxième tunnel. Comme promis. Amen. Ben voilà, là on est ici. Ça c'est la Slovénie et là c'est la Croatie.
Donc en fait, quand Elodie disait qu'on allait faire la Slovénie en vélo, ben voilà, c'est fait. Voilà, là c'est nos vélos. Voilà, et là c'est la Slovénie. Et on est arrivé au bout, parce que là-bas c'est la Croatie. Et on a fait la Slovénie en vélo. Ben, nous sommes arrivés pas du tout au point prévu. Et on se retrouve dans une trattoria avec le vin de la Cassa. Et puis on va se faire une bonne pizza. Allez, chine. Et voilà notre pizza. Bon, le vin n'était pas terrible quand même. Faut bien le dire. Hein. Oui, mais ce qu'il faut dire, c'est que maintenant, il faut pédaler en montée pendant des kilomètres. Ah, c'est le plus dur. Alors le gars, il a amené ça pour Elodie. C'est censé être doux. Salé. Salé, oui. Et puis ça, c'est pour les mecs, les purs, les durs. Ah, c'est du costaud quand même. Tu sais que tu as du vélo à faire maintenant, là? Oui. Ça va m'aider. Bon, alors pour t'aider. Non, l'autre. Ah, l'autre, carrément, un truc pour mec, quoi.